Je suis Chérine du studio Kiné Pilates et aujourd'hui je voudrais vous partager une vidéo pour délier la colonne vertébrale. C'est vraiment important de garder les mouvements de rotation de notre colonne vertébrale. Il y en a énormément en Pilates, des mouvements de la torsion et de la rotation. Et je vous propose une version particulièrement agréable, douce, qui va vous permettre de retrouver un mouvement fluide et primaire, on va dire, de la colonne vertébrale. Voilà. Avant de débuter, vous n'avez besoin que d'un tapis. Abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur les notifications pour me retrouver tous les vendredis pour une nouvelle vidéo. Allez, on est parti. Donc on va s'allonger sur le dos et on va placer nos deux pieds aussi larges que notre tapis. Et on va ouvrir nos bras comme une étoile. En fait, on va faire un peu l'étoile de mer. Fait qu'ici, on va prendre le temps de bien respirer profondément par le nez. Et laisser l'air s'échapper tranquillement de notre bouche entrouverte et détendue. Prenez le temps de laisser poser lourdement votre tête, vos épaules, vos bras, vos hanches, vos jambes. Et sentez votre dos s'installer lourdement dans le sol. Tout simplement, on va commencer à plier le bras gauche pour amener notre main gauche proche de la poitrine et caresser tout doucement notre poitrine, puis lentement s'enrouler pour caresser notre bras droit. Et on va laisser les choses aller pour aller, si on désire, jusqu'au bout de la main droite. Et on va faire le trajet à l'inverse, toujours en glissant notre bras, notre main plutôt, le long de notre bras, puis de notre poitrine, et retrouver la position de départ. Et on va faire la même chose avec le bras droit. Donc tranquillement, on va plier notre main droite, notre coude droit, puis tranquillement, on va caresser notre corps, notre bras, et laisser vraiment s'enrouler la colonne. Allez au fur et à mesure, si vous pouvez, décoller votre bassin et votre hanche. Et tranquillement repartir et revenir tout doucement. Et on va le refaire encore une fois de chaque. Prenez le temps de respirer, de glisser tout doucement votre main, de sentir le détachement de votre bassin, de votre sacrum, de votre dos. Et quand vous revenez, comme une vague, laissez le corps se reposer lourdement, détendu, et on le refait encore avec la main droite qui s'enroule et qui glisse le long de notre corps et le long de notre bras gauche. On va jusque là où on est bien. On ne veut pas décoller le pied, mais on laisse bien sûr la torsion de la colonne vertébrale se faire. Je vous invite à plier vos genoux, à glisser vos deux mains sous vos cuisses, à rapprocher vos genoux de la poitrine, roulez doucement de droite à gauche et roulez sur un côté pour vous remonter en douceur. Donc vous pourriez refaire cet exercice plus longtemps, vous n'êtes pas obligé de le faire aussi, de façon aussi courte, ça va être agréable et je vous invite à le faire assez régulièrement pour aller justement créer une fluidité dans ce mouvement de rotation qu'on a souvent tendance à perdre en étant justement toujours assis au bureau. Voilà, j'espère que vous avez aimé ma vidéo et si vous aimez, merci de liker avec le pouce, de partager dans vos réseaux sociaux cette vidéo et mes autres vidéos. Désirez en avoir un petit peu plus avec mon programme totalement gratuit, je vous invite à télécharger sur le lien en haut ou en bas mon programme de base gratuit de Pilates. Retrouvez tous les bienfaits du Pilates pour votre dos, pour votre colonne, pour votre posture. À bientôt !